Téno, ou même qui Chambellan, ou même qui Dame Marie, eh bien, sous gon bagay fait, camper, parce que gon bagay qui est important qui passe dans le pays, gon tremblement de terre qui passe sous le pays, donc il faut que nous connaissions comment le passer. Ok? Donc, ou même qui en dehors, okay? Ou même qui en dehors, qui n'en tire radio, ou même qui qui au caille, qui ou même qui au caille, ou même qui Aniquet, ou même qui Tibiron, ok, ou même qui Saint-Louis du Sud, ou même qui Akin, camper sous sous son fer là parce que gon cause que parler là ou besoin qu'on ait ça bah là y gon tremblement de terre qui passe sous pays, ok. Je dis à ce 12 janvier 2018 nous prenons l'autre tremblement de terre encore, ok, ou même qui Jacmel, ou même qui dans sud-est qui la vallée de Jacmel, ou même qui en dans ville Jacmel. OK, qui ont parole qui va parler là ou même qui balance. Donc c'est important pour qu'on ait ça qui va parler dans émission ça matin là. Donc ce qu'on va faire, font-ti camper, OK? Et puis tendez ça qui va parler dans émission ça pour qu'on ait côté camper comme haïtien. OK? Ou même qui dans nord-ouest pays dans Port de Paix. N'a salué Lucas Saint-Ville. Sénateur Lucas Saint-Ville avec toute madame ni petite dit ou même qui dans Port de Paix, ou même qui en dans ville Port de Paix, ou même qui en dans ville Port de Paix et ou même qui en Safolin, qui Saint-Louis du Nord, ou même qui Jean Rabel, ou même qui Mol Saint-Nicolas sur Radio Marina FM, ou même qui Bombardopolis qui BDN camper sous ça n'a fait nan moment n'a parlé là gon parole pour nous connaître parce que parole la parler en dans Port-au-Prince là la parler dans diaspora la parler tout côté mais ou même qui en dehors ou pour connaître sa parole là m'bal dou sa parole là. OK, donc ou même qui Waramet, ou même qui au Cap Haïtien n'a salué pasteur Janvier et pasteur Janvier, donc ou même qui Cap Haïtien, ou même qui Namilo, ou même qui Limbé, ou même qui plaisance, et camper sous sa affaire, parce que qu'on parole là, qui a parlé, faut que nous au courant de parole ça. Ou même qui Waramet, l'important pour nous connaître, nous même qui est en dehors, qui est dans la section communale, qui Inche, qui Plateau Central, qui Lasca ou Basse, Plateau Central sur Radio Lele Online FM, ou même qui Mibale sur Radio Panique FM, ou même qui se chauffe taxi, moto, camper, qu'on parole qui a parlé là, faut qu'on ait sa parole là, ok, faut qu'on ait sa lié avant nous déraper émission ça. Ok, ou même qui et non quoi de bouquet, ou même qui quinze coffres et ou même qui se chauffeur taxi moto, ou même qui se chauffeur bus, ou même qui dans bus là chauffeur bus là, montez volume radio pour tout le monde entendre parole ça qui a parlé dans pays là, parce que son l'autre tremblement de terre qui passait sur Haïti. OK, ou même qui Gonaïve, qui Saint-Marc, n'a pas salé monde Saint-Marc sur Radio Parisienne, donc monde dans Liancourt et monde qui Deschapelles, La Chapelle. OK, donc restez là, gon parole qui a parlé là, faut que nous connaissons donc sa parole là, parce que me veut que chaque haïtien au courant de parole là, ou même pour ça, pour nous pas dire que nous pas te connaît, ok? Faut que chaque haïtien au courant de parole ça, si nous m'a gagné à faire qu'on y a là, font t'y camper, parce que faut que nous au courant de parole là, ou même qui n'en marche quoi bossal, ou même qui cafou, ou même qui n'en bus cafou feuille, faut que nous connaît parole ça, faut que nous mettez dans tête nous, faut que nous mettez dans l'esprit nous. Désormais, jeudi 12 janvier 2018 là, ils sont tremblement de terre qui passent sous pays. Faut que au courant, ok? Ou même qui n'en cité soleil, jeune garçon, jeune femme, en densité soleil. Ou même qui Akaye, qui Montoui, et qui Cabaret. Donc, qui, tout côté dans le pays, hein, assurez-nous que tout le monde connaît parole ça. Parce que faut que nous connaît parole là. Faut que nous connaît parole là. Et maintenant, m'bral dit nous qui parole ça qu'a parlé. Donc, sur Haïti, et tout côté. Dans Port-au-Prince, dans la diaspora, faut que nous au courant. Faut que tout pays a connaît parole ça. Faut tout pays a connaît parole ça. Et puis, maintenant, ensemble, nous va regarder parole là. OK, matin ensemble nous pas regarder parole là parce que nous dit que je dis c'est hier oui dans émission matin débat m'a dit côté que yo prend nous pour fatra, côté que yo prend nous pour fatra, c'est hier oui, c'est hier m'a dit dans émission matin débat yo pas prendre nous pour rien, comportement nous fait nous yo fait que yo pas respecter nous dehors. Et ben tout haïtien qui attend des émissions ça matin en sous radio éclair m'a dit nous que président américain monsieur Donald Trump lui traité haïtien de choukaka. OK, tout haïtien mes paroles là, tout haïtien, faut que nous connaissions paroles là, tout haïtien. Moi, je n'ai pas parlé français, de pays de merde, de, comme ça. OK? Tout haïtien, capitaine de l'émission ça, faut que nous connaissions que le président américain, Donald Trump, il traitait tout haïtien de choukaka. Faut que nous connaissions ça. Mettez ça, dans tête nous. Jeudi à 12 janvier 2018. Madame, monsieur, le 12 janvier 2010, c'est ton tremblement de terre qui t'est passé sous pays 1. T'es gagné 300 000 monde qui mourit. T'es gagné presque 100 000 familles qui victimes. Et tout le monde t'a crié, tout le monde t'a pris l'amri. Et je dis, en ce 12 janvier 2018,
eh bien, qu'on l'autre tremblement de terre qui passe sous pays, hein, avec déclaration Donald Trump, qui est président américain. Si 12 janvier 2010, c'était 300 000 monde qui étaient morts, eh bien, 12 janvier 2018, c'est 12 millions haïtiens qui humiliés par le président Donald Trump. Donc, je dis, en ce 12 janvier 2018, c'est un jour qui est triste, qui est doublement triste pour Haïti. Parce que le 11 janvier, hier soir, le président Trump, il traitait tout Haïtien avec pays africain de Tchoukaka. Ok? Il parle l'autre mot, c'est salié. Il traitait Haïtien de Tchoukaka. Donc, Haïti sont Tchoukaka. Haïti sont Tchoukaka. Vous comprenez, les Tchoukaka, c'est tout caca, tout nambouda. Ok? Donc, c'est hier matin, dans l'émission Matin Débat, comportement nous, nous avons parlé de question Fatra, et nous avons dit que nous prenons pays pour Fatra. Tout côté de passé, nous traitons de Fatra. Parce que nous, travaillons pour ça. Et je dis, c'est que, il y a un monde qui pas réagit face à cette déclaration, mais qu'on n'a pas moun, c'est que accepter que vous passez caca dans la figure. Yon moun qui pas réagi aujourd'hui. Ou c'est député ou c'est sénateur, ou pas réagi. Et ça fait me dire que, si vous connaissez que vous avez un grand zan ou fève, ou pas même besoin d'intervenir sur le dossier ça. Mais si vous connaissez que c'est haïtien dans l'âme, si vous connaissez que c'est haïtien quand dans, et si vous respectez l'histoire pays, nous pas besoin d'aller chercher excuse dans main Donald Trump. Nous pas besoin de ça. Et m'a salué la communauté américaine, non? L'ambassade américaine, je dis, grand pile employé de l'ambassade américaine qui senti au gêné. Grand pile américain, je dis, grand pile famille américaine qui senti au gêné face à cette déclaration. Et m'a salué la communauté américaine, non? Qui en Haïti. Il y en a d'autres qui racistes vraiment, oui? Mais grand pile américain, je dis, grand pile américain, je dis, qui senti au gêné face à série de déclarations saillot que président Payot a fait à travers le monde, sur tout le monde. Et surtout sur Haïti en particulier. Parce que je dis, ou qu'a dit n'importe sauvé, Haïtien pas un mauvais peuple. Parce que Haïtien, je dis, il contribue en pile à sa America, il est, je dis, à sa États-Unis, il est, je dis. Donald Trump a oublié la bataille de Savannah. Et Georgia. Et les statues sont encore là. Donald Trump, par contre, ça a oublié. Et je dis, on ne parle pas pour baisser la tête devant personne, moun, comme haïtien. Je vais traiter nous de ça, vous voulez. Mais son seul bagaille. Si là, je dis, on ne pas prendre conscience, par contre, qui le n'a pas prendre conscience encore? C'est un président américain. C'est un président, moi je dis. C'est un président américain. C'est pas la présidence américaine. Et Amérique a gagné moun là-dedans. Et États-Unis a gagné moun là-dedans. C'est dommage que je dis, on partit dans la vie, nous, en Amérique. C'est dommage que je dis, on partit dans la famille, nous, aux États-Unis. Mais je dis, si nous prenons une décision, faut tout haïtien t'a coupé pied avec les États-Unis. C'est dommage. Et malgré que matin, il y a des gens qui vexaient, ils parlent obligés à aller à l'ambassade américaine pour demander visa. C'est dommage. Mais nous n'avons pas baisser tête nous comme haïtiens. Et nous n'avons pas quitter cette déclaration de Donald Trump. Ok, traverser nous jusqu'à ce que pour nous sentir vraiment que nous humiliés comme peuple. Parce que nous sommes un grand peuple. Nous avons fait l'histoire de cette humanité. Nous avons changé le cours des choses. Nous fait histoire humanité. Nous changer le cours des choses. Nous changer donner. C'est nous qui faisons. C'est haïtien qui fait. Et nous avons une histoire. Je ne dis pas qu'aucun monde aujourd'hui est capable d'être insensible face à cette déclaration. Elle est inacceptable. Et pas qu'un monde cap d'accord. Je vais regarder pour moi qui sont sénateurs avec députés pour le faire dans le pays. Eux qui sont donc les représentants de ce peuple. Parce que c'est eux-mêmes qui. Je viens de mandat dans mes peuples pour y aller dans le Parlement. Et Donald Trump, je dis, il humilie le peuple haïtien.
Parce que je dis à le traiter tout haïtien de tout caca. Haïti sont tout caca. Mais regardez qui ça, député, c'est notre préfet. Je parle de réaction pour moi. Qui est dans la société civile qui parle parler? Qui j'en parle parler tout? Qui j'en parle virer l'angio? Parce que quand pile là-dedans, c'est tout le blanc, c'est tout les États-Unis qui est. Et je dis, si nous avons un pays sérieux, et si nous avons un Duvalier dans le pays, si nous avons Vladimir Poutine dans le pays, si nous avons Fidel Castro dans le pays, et si Jean-Jacques Dessalines est là toujours, personnel, ambassadeur américain, non, je t'ai déclaré persona non grata. Si t'es un pays. Et je dis, on parle tant de, t'as aimé qu'on est, qui s'a pas la position du corps groupe, qui s'a corps groupe là pas dit comme ami d'Haïti, les hypocrites. Non, mais attendez, qui j'en, l'ambassadeur de France en Haïti, qui en parle réagir. Qui j'en la France parle réagir, qui j'en le Canada parle réagir. Nous connais déjà la position Venezuela. Si Chavez était là, nous connais qui ça Chavez t'a pas dit déjà. Maintenant, des républiques dominicaines, qui sa République dominicaine va dire, sous déclaration ça, c'est une impertinence. Les amis d'Haïti, nous songez, madame, monsieur, 911, 11 septembre, président Bush quand elle dit, quel que soit mon nom, quel que soit pays, sous pas avec ou contre moi. Et puis tout le monde de, voyez, notre oui, tout ambassadeur de proposition, tout pays de proposition, même si on était d'accord, même si on pas d'accord, oui. Je veux dire, c'est ça lié, oui, là. C'est ça lié, oui. Nous pas regarder qui pays avec Haïti. Taïwan, nous pas regarder les positions. Nous pas regarder les positions Taïwan. Côté Haïti, campé sous tribune, l'ONU, Nations Unies, à défendre Taïwan. Qu'on y a mon président américain, manque nous dégâts. Nous pas le ça, Taïwan, nous pas le faire. Hypocrisie, ça faut le clip fini. Et je dis, nous-mêmes, campé haïtien, faut que nous d'accord avec conscience, nous avons un problème là, quand nous. Et je dis, faut nous prendre ça. Comme leçon. Et c'est l'embargadé qui ça nous va gagner comme conscience. Qui ça nous va gagner comme conscience? 12 janvier 2010, nous pour un tremblement de terre, 300 000 monde mourir. Dans le pays. Mais 12 janvier 2018, la déclaration de Donald Trump, ils sont le tremblement de terre qui passe sur le pays. Et fois ça n'est pas 300 000 monde qui mourir, c'est 12 millions haïtiens qui humiliés. Qu'est-ce qui Donald Trump? Qui est-ce qui Donald Trump là? Qui est-ce qui Donald Trump? On green bagaille me connaît. Et m'a dit ça matin dans l'émission matin débat. Quel que soit monde qui attaque l'Afrique avec Haïti, on appelle quand même, ça me sûr de ça. Ça me sûr de ça. On monde qui attaque l'Afrique, on attaque Haïti. On paye quand même. Et qui vivra, verra. Ça me suit déjà. Mais je dis que haïtiens, tout côté, faut que nous fiers de tête, nous, comme peuple. Donc, faut que nous pas quitter déclaration ça. Lui mettez nous à genoux. Ça, pas qu'à mettre nous à genoux. Et, mais son bataille pour nous mener. Mais faut que nous d'accord toujours dire, madame, monsieur, qu'on conscience, qu'on réveil qui vous faites. Et c'est hier matin, m'dap dit, l'émission matin. C'est comme si m'dégadou, Donald Trump t'étend dans l'émission hier matin, et puis, il réagit face à l'émission. Parce que hier matin, m'dap parlé de ça. Que nous d'accord, nager sous Fatra, nous vivons avec Fatra, nous marions avec Fatra, ils prennent nous pour Fatra. Parce que nous comportons nous en Fatra. Et puis, hier après-midi, le président américain fait une déclaration sur la contre Haïti. Mais c'est qui ça que nous pouvons faire qu'on y a? Qui ça peut le fait qu'on y a? Qui ça peut le fait qu'on y a? Je traite de tout caca. Je ne pas rien. Je ne pas rien même. Qui réponse qui peut le faire à ça? Qui réponse qui peut le faire à ça? Est-ce que vous avez dit dans le pays? Je dis. Tout le monde doit acheter le visa devant l'ambassade américaine. C'est que vous avez dit dans le pays. Mais c'est dommage que on partit dans la vie nous États-Unis. On partit dans la famille nous États-Unis.
Je dis à fois que nous d'accord que nous pas qu'à quitter le monde prend pitié pour nous. Nous pas qu'à quitter le monde prend pitié de nous. Loco. Loco, bonjour. Bonjour, Mandé. Son président de la République, c'est président des États-Unis, deal. Il vient en bagage d'État. Première réponse là, c'est président de la République. Parce que il vient en bagage, son bagage d'État. Mais c'est clair, Mandé. Il faut que. M'utilisons un mot fort, il faut que Mbaka passe président l'ordre. Mais attention, président représente nous tous. Automatiquement, c'est président États-Unis, deal, il revient au président de la République d'Haïti pour avoir une réponse. Président Mbaka quitte Peplia. Il y a une note de presse, celui-là. Oui, président Mbaka quitte Peplia. Oui, je veux dire. Ou même toujours parler de premier ministre, c'est le président directement qui est concerné. Maintenant, et puis population pourrait suivre ton président. Maintenant, alors parce que la population pas cassé les mêmes qui devant encore. Et ensuite, population haïtienne qui aux États-Unis hein, et représentant gouvernement qui aux États-Unis. Là, il t'a doué qu'on tire en compte. Parce que c'est politique lié. Ouais, ça veut dire, c'est matin, politique. Matin, c'est politique lié. Je dis, là, du bas d'État, là, dans le pays, ça. OK? Ça nous vient là comme chargé d'affaires. Déjà déclaré, il a déclaré le personnel non grata. Déjà. Bon, on ne connaît pas qui, comment le gouvernement américain, ouais, déclaration président, tout. Ah, pas fait ça, non. Comment le gouvernement américain, ouais, déclaration président? Écoutez, Maison Blanche. À Kiesel. Maison Blanche à Kiesel. Écoutez, tout commenté au fait, c'est comme ça, nous applaudit, donc déclaration président Donald Trump. Donc c'est une affaire d'État. C'est une question d'État. Et non. Je dis, on sait que nous pouvons, nous pouvons le prouver. Le gouvernement américain n'est pas obligé. Écoutez. Il y a une autre déclaration, monsieur, monsieur. Non, écoutez, c'est le président américain. OK? Et la Maison Blanche commenté, il est censé appuyer la déclaration. Ils sont censés appuyer déclaration. Maintenant, c'est une question d'État. Mais écoutez. Il y a une chaîne télévision aux États-Unis, CNN. Ils ont critiqué M. Amer. Critiqué ou pas? Ah ben, c'est justement, c'est parce que Maison Blanche a kissé lui. Ils ont d'accord. Et puis, la presse américaine, ils ont fait ça, ils ont fait avec là. Donc, on y a écoutez, nous sommes. Qui sont mandés présidents? Nous sommes un État indépendant, bien matin. Oui, mais qui sont mandés présidents? Écoutez. C'est le responsable. Nous sommes un État indépendant. Et nous pas n'importe qui État indépendant. OK? Nous sommes la première République noire. Et déclaration de Donald Trump sous pays africain avec Haïti, c'est pas sans merci, c'est moi qui bien calculé. Lorsqu'elle elle fait référence à la Norvège, pour le monde que c'est blanc Norvège qui va venir aux États-Unis, son déclaration qui bien calculée. Et là, il est purement raciste. Red son neg. Bataille contre les nègres. Red neg. Est-ce qu'on peut attendre à une révolte? Ah, mais voilà. Son bataille contre les nègres. C'est pas sans raison qu'on va attaquer l'Afrique et Haïti. Je ne sais pas avec l'autre pays, Salvador, qui nomme la donne. Mais c'est pas sans raison qu'on va faire comme ça. Vous êtes je dis, hein? Écoutez, comme nous, en tant qu'État indépendant, on réponse qui vous baille. Et c'est ça que me dit tout à l'heure, Pierre Maté Dadou. C'est fini. Et c'est là où on voit tout. Qui est Haïti Gavel tout? Qui est Haïti Gavel tout? Parce que c'est pour une déclaration particulière. Son gros déclaration. Le président américain dit que son pays tout caca. C'est tout caca, oui. L'autre côté cap gade qui voulait venir investir dans le pays. Lui voulait dire, ça voulait dire, oui. Nous va regarder position Taïwan. Nous va regarder République Dominicaine, nous va regarder position la France, le Canada, la position du corps groupe, nous va regarder là. Louko, c'est pas vous-même vous allez regarder. Non, écoutez, mais les amis d'Haïti. Non, okay? Parce que Haïti, écoutez, Haïti c'est pour un petit bagage petit bien matin. Louko, pourquoi ça? D'accord, mais il y a le gouvernement qui doit donner le temps. Louko, pourquoi? Faut-il donner bien matin? C'est toi le bel exil là. C'est le président de la République. Directement. Justement. Maintenant, le ton, c'est là pour le sortir. Je suis d'accord. Et j'entends le bel exil député et avocat. Président de son État. Avec qui sentiment que vous recevez nouvelle ça? Bonjour. Louko, bonjour, député Pierre Martin Tatou. Bonjour, président. Bonjour, c'est un plaisir pour moi, pour me capable de participer avec nous et justement, et faire un petit point sur deuxième, sous nous, hier, là.
On va passer mal. Téléphone nous là, Eddie. On va passer mal là. Allô. Allô. Oui. On va passer mal là. Vous entendez-moi là. Entendez-nous là, clair. Oh, ok, très bien. Donc, vous d'accord sur le tremblement de terre qui passait sur Haïti hier, vous d'accord? C'est tout à fait. Maintenant, ça va demander que vous nous prenez des décisions et pour nous agir et pour nous capables de penser la tête froide. Vous savez que son bail, c'est un gros douche froide. Mais faut nous capables et premièrement situer le personnage là qui fait déclaration hein, et contre qui nous nouer comme peuple et garder qui suit. Bah oui, je prends 2-3 minutes pour me capter petit point. On allait. Ok. Premièrement, Donald Trump, c'est pas un mec qui, justement, c'est un mec qui fait fortune dans le business, mais c'est pas un mec qui, on grain de culture, hein, et on est capable de répondre qui fait des grandes études. Et c'est justement, et, on est capable de nivellement par le bas, ça, qui fait que, et, Cobb fait un pile bagaille, et avec, monsieur gagne 3 milliards de dollars de fortune, c'est un mec qui tape vivant sur bling bling. Et son nèg qui n'est pas capable de faire une émission, l'idée qu'on visait politique, lui font chaud télé-réalité, et lui vient très populaire, et puis monsieur vient avancer, monsieur lui fait côté l'IVA. Maintenant, monsieur, effectivement, son nèg qui, vient des idéaux suprémacistes, ça veut dire que lui croit blanc, supposant l'air, parce que monsieur son nèg n'est pas capable de tout ça, il a fait. D'ailleurs, hier même, d'appli, dans près de 150 postes de juges fédéraux, qui est pour combler aux États-Unis, monsieur, c'est toujours ces blancs mettez là-dedans. Ça veut dire que monsieur son aigle, il croit dans blanc, c'est blanc libre. Monsieur, d'ailleurs, il a estimé que 8 ans Obama, hein, il y a un confrère qui dit que 8 ans, comme si pays a une nature, lui, de saleté comme États-Unis. Donc, il n'est pas étonnant parce que monsieur frappe fort sur nous, même Haïti, même Bralvin, sur le fait que nous tout est fait pour nous capables de changer de paradigme. Et donc, pour moi, son bail nous condamner. Moi, même dans Loukou, monsieur Loukou désire, depuis 2011, j'ai défini le député, il a écrit son invité aux États-Unis. De 2011 à 2018, ma chambre met pied aux États-Unis encore. Ça va aller tout non paquet, mon visa 5 ans, il y a toujours les livres, faire courtoisie, etc. Parce que, nous, bien d'où, de 2011 à nos jours, 2018, là. Et Mali, Montréal, parce que Haïtien formé l'Université du Québec à Montréal, il y a 100 000 Haïtiens qui ont appris québécois à lire, les 7 millions de québécois parlent français, voyagent dans l'autre pays, mais pour raison, pam, de 2011 à 2018, à l'âme, qui a fait 7 ans, machin, il est aux États-Unis d'Amérique du Nord, et j'ai mes raisons personnelles. Et mes visas dans la passeport qui couchent là, où toujours renouveler Lyon, et les renouveler, machin, voyager sur lui. Donc, je devais faire point ça, qui est très important, et pour que ça me défaille. Pour que ça me fasse, et au fur et à mesure, ma bataille, tête, mes raisons. Un, pour comportement Obama, qui fait tout le temps là, comme on est, nous, pas jamais occupé avec, par exemple, les Haïtiens, on est complexé aussi, Obama, qui va jamais, premier pays, nous, indépendant, pas jamais occupé, nous, il va jamais combattre, et seulement les derniers gros problèmes, là, 12 janvier passé, va passer, nous, va jamais occuper, ça appelle l'idée, celle qui nous finit, même la France, et qui, des contentieux historiques, de qui fait nous payer la dette de l'indépendance, ça, qu'on s'est obligé par où on finit, vingt sept ou trois heures de temps, Obama va m'aider les pays. Donc, il faut bien comprendre des choses. Je dis, il ne faut pas que personne ne paye pour faire 13 déclarations pour nous. Par contre, moi, ça veut dire une bonne nouvelle. Donc, j'ai content, ça, au fait, il donc, j'ai content, il a oublié, au côté de Dominique, dit que, son vérité, que, il était toujours dit. Parce qu'il y a un complot international sur le pays que m'a suivi. Et qui ont ployé des très haïtiens qui participent là-dedans dans tous les niveaux. Il y a des historiens là, qui disent la radio. Bon historien, t'as allé dans Wendell Théodore. Un historien très connu en Haïti, l'allé dans Wendell Théodore, il y a une vidéo, hein. Il dit que c'est l'armée dominicaine qui pour seule l'armée sous l'île Haïti pas gagne de l'armée. Faut comprendre, l'ordre des pays, faut qu'on voit bien même dans les haïtiens qui étaient prêts à la patrie. Donc, on voit toujours une ligne et il y a fait, il y a bataille pour le pays, il y a toujours dans la situation ça. Dans la situation ça. Chaque jour, moi-même, avant nous comme parler là, nous dit, il n'est pas possible pour bien tout ça. C'est-à-dire qu'il faut dire, il n'y a pas de haïtiens de faire. Je peux la défendre dans la rue. Faut dire, monsieur, la République dominicaine fait 7 millions de touristes, monsieur. C'est plein de jours tout côté. Tout ces villes sur la côte Est, Bayaïdi, Romana, Tigoué, Punta Cana, Bavaro, tout le monde. Chaque touriste a vu une dépense. Ça veut dire que monsieur, que le vote de pays, que le pêcheur est caillou belle, que le tir de sécurité, et puis vous êtes touriste. L'ouko désir. Si nous l'on dit, à partir de ça, monsieur dit, nous avons conscience. En 2048, on le président américain va dire nous plus mal. En 2060, on le président américain va dire nous plus mal. On le président américain va dire nous plus mal. Trouillot, on le trouillot. Mais le fils, comme fils, trouillot, mais le vini là, pour le candidat, trouillot, avec l'entrée, pour qu'il y ait une petite année sur 2020, pour faire nous plus mal en République dominicaine. Tout à gagné ça, au pays, à tout le monde. Donc, je veux dire, à son pays, nous, on n'a pas qu'être monde. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des pays qui ne comprennent pas le volume. Ils comprennent justement, nous,
travail yo doit faire de protection de pays a pour entrer dans l'histoire pays a pour comprendre pays a ou pas comprendre la diplomatie parce que aujourd'hui Haïti a subi tout pas oublier Haïti son vote aux Nations Unies contre Donald Trump, les Donald Trump reconnaissent Israël, Jérusalem comme capitale de l'État hébreu juif. Haïti, en résolution, Haïti pas voté ni pour ni contre. Elle t'a bien dit, ambassadeur américain, Nikki Haley, t'a bien dit que y'ont pris le bagage. Ça veut dire que, je dis à toute fois, Haïti a fait les Nations Unies, dans tout instance lié, le pas de répercussions sur nous, c'est intérêt lié. Est-ce qu'on connaît que le même Américain, ça va bien, avec l'Union Européenne, avec la France, soit pas lié, et l'Espagne, fait pression sur Haïti pour décision bagaille dans la région au Texas pour être capable de venir faire barrière libre pour vivre pour du Dominicain en 40. Pour qui ça? La République Dominicaine, une diplomatie agressive, active, sauvage, ni fait comprendre que dans les hôpitaux dominicains, parce que Haïti, en Haïti, pas de santé, en Haïti, pas d'éducation, ni fait comprendre que la envahie avec Haïtien est comme tel, li toujours en grand mot l'a dit, li pas capoter Haïti sous dol. Ça veut dire que li dit ton pays pauvre, son pays c'est goumé la goumé pour l'occuper mon la caille, et bien Haïti avant la île, par conséquent, faut que gros pays ça ou pas compli pour capable soumettre Haïti, pour capable bayonner Haïti, pour ne pas vieux grand jeu qui pas même bon que vous faites, pour venir la guerre dans les sommets en Haïti. Et c'est pas sans raison, tout déborder l'eau comme aller dans la question fleuve Antibonito. Dans nous gain aujourd'hui à parler de l'agriculture, eh bien, ils font captage barrage parce que la République dominicaine t'a demandé 80 millions de dollars prêtés. Depuis 2011, la boumé pour jouer comme ça a prêté pour faire barrage sous fleuve de la Tibonite pour le cas prêter vite loi. Eh bien, l'instance internationale n'a pas prêté. Ce n'est pas que Haïtiens défendent tête lino, mais c'est parce qu'on a des principes de loi internationale qui dit que les deux pays partagés ont rivière, pays côté prend sous cela, les cas fait à Osage, les cas fait gros captage la donne parce que des billets doivent venir en bas. Et bien, qu'on y a le budget de 2018 qui fait voter pour être capable, faire captage là, pour être capable justement permettre que Barrage Pélé n'est pas besoin d'eau et l'irrigation de la plaine de l'Antibonite pour faire moi, pas besoin d'eau. Maintenant, ça nous est aujourd'hui, et vous avez dénoncé, Taïwan, c'est le pays que. Je veux dire, monsieur, Taïwan, qu'est-ce que Taïwan s'est à Haïti là? Taïwan a bâillé la République dominicaine, deux hélicoptères, et pour hélicoptère, et pour lever avec plusieurs machines de guerre pour venir comme en façon, et puis aujourd'hui, à la Taïwan. Si elle est la grande Chine qui vous fait visiter à vous, pour mettre Taïwan, on peut voir ce que je veux dire. Donc je veux dire, monsieur, les États n'ont pas d'amis, nous allons répéter, pas de aucun véhicule comme Haïti. Chaque, et puis en plus tout, fonds monté, on crée un ordinateur, USAID, on crée un moto pour l'abolition de USAID. En final, pays à l'élo, pays à l'étouille, monsieur, portez pour salut, mais faut dire pour salut, c'est VDS là sur tout. Portez pour salut, pétuer Taïwan, retirer Fatra, retirer sécurité, et bien mon abdé maquet là, j'ai fait. Si moi avoir pas fond bagaille avec ta tout, avec tout le monde qui attendait, tout le monde qui attendait, n'a pas fond bagaille. Dans 40 ans, il y a après moi. C'est fini. Pirate. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Pirate. Donc ça veut dire que c'est ça qu'il faut. Et quand vous me demandez comment il fait, non, il fait combien de milliards de touristes là? Il met des sécurités, il propre, il bagaille, il met. Mais tu calas mettre en bois, péturel. Et puis après, nous, puis devant nous, c'est émission sous hygiène. Non, mais émission, ça va faire là, qui est plus vrai, écoute, dans le pays, il y a une tout, nous, pas de connaître. Faut mettre en séquence sous hygiène pour nous connaître. Pour pas jouer des bagailles dans la rue, pour pas bagailler. Et que devant porte caille pas là, c'est pas l'État pour une porte, partie devant porte caille là, faut que chaque monde porte elle. Donc c'est de ça, d'après la paix. Sinon, après, en 2040, en 2048, on a pris un pire mal. Très bien, très bien. Voilà, merci beaucoup. Merci en pile, Jean-Tolbert Alexis, et Maître Tolbert Alexis, ancien président donc, de la Chambre des députés. En tout cas, nous face à une situation, et Mkadi qui est très critique. Ok, je dis, c'est pour une question de gouvernement, c'est pour question de Louko Désir, de Pierre Martin Tatout. Ok, et nous-mêmes comme haïtiens, nous-mêmes dans l'émission Matin Débat, et qu'a fait analyse politique, m'a demandé nous, comme haïtiens, face à la situation ça, déclaration Donald Trump, il faut que nous prenions en tête fret. Préparé pour nous connaître, c'est que ça a dit d'Haïti, il n'y a pas ça vrai. Nous pas mauvais monde, nous pas mauvais peuple sur la terre. Ok? Faut que nous assurer ça. Faut assumer ça. Mais ok? Haïti pour un pays tout caca. Il va pas tout caca. Faut que nous connaissons que nous avons bagaille, le monde a fait nous payer. Donc, très bien. Mais écoutez. Indépendance nous. Et c'est lui, Pernatin Tatou. Écoutez. Son complot qui fait sur Haïti. Mais pour Haïti, il faut qu'on nous valeur. Mais justement, voilà, justement. Qui devait expliquer nous de débat qui est assez important, et Pernatin Tatou. Ok? Haïti gagne un complot qui fait sur Haïti depuis le 1er janvier 1804. Un complot qui fait
les pays occidentaux. Parce que pas que Haïti change bagaille là dans yo. Parce que business esclave là c'était business de l'humanité. C'est pas seulement en Haïti que Français t'a exploité esclave. C'était tout côté dans le monde entier, business esclave là. L'était un des plus gros business qui était dans l'humanité. Question 20 moun dans la traite des noirs, 20 moun nan. C'est Haïti qui dit non, ça pas qu'à faire encore. C'est Jean-Jacques Dessalines, Toussaint Louverture, c'est yo qui dit non. Nous changer bagala nan men le monde entier, nan men l'humanité. Nous craser business blanc, nous craser business occidentaux, nous craser business yo. Nous craser système yo. Parce que système te chita sous ça, exploiter moun pour faire le travail dans l'esclavage. C'est nous qui changer ça dans le monde. Et son bataille nous mener avec zong. Son bataille nous mener avec esclaves. Son bataille nous mener avec nègres. Son bataille nous mener sans fusil, avec bâton bout de bois. C'est ça nous mener bataille là. C'est avec ça nous mener bataille là. Et nous vaincre la plus grande armée du moment, l'armée napoléonienne. C'est l'armée ça, c'est un coup, c'est États-Unis qui gont l'armée et puis qui vient goumer avec Haïti et puis nous mettons en défaite. C'est ça lié, c'est ça réalité ça. Et bien depuis 1er janvier 1804, tout pays occidentaux ça yo, qui c'est la France, l'Espagne, les États-Unis, l'Angleterre, yo entendu son green bagay. Le Canada, yo entendu son green bagay. Nous pas quitter Haïti passé encore. Et dans tout archive yo, c'est nous même ici qui pas archive. Nous pas aucun archive aucun côté, nous pas une boîte secret nous même. Ouais, nous pas archive. Nous pas archive. État civil nous pas nommé. Nous pas une boîte secret. Elle dit l'on président monté là, il vient avec affaire parler, il vient avec monde parler, mais il pas comme ça aux États-Unis, il pas comme ça en France. L'on président a sorti tant qu'Obama qui sorti qui ba Donald Trump là, il veut remettre à Donald Trump tout secret pays, tout clé archive, tout ça qui gagné top secret que États-Unis gagné. Eh ben, non boîte secret États-Unis, non boîte secret pays la France. N'archive yo. Tout ça t'est écrit. En 1804, 1803, contre Haïti. Il aurait été, et c'est capable d'appliquer aujourd'hui. Mais, ça ne veut pas dire que aujourd'hui, comme peuple, pour nous baisser tête devant le monde, nous sommes un plus gros peuple qui vient sous la terre. Et c'est pas sans raison que vous perdez nous. Qu'est-ce qu'on a baissé? Qu'est-ce qu'on a baissé tête? C'est pas sans raison que vous perdez nous maintenant. C'est parce que justement, de génération en génération, ouais. Nous pas sauvegarder ça, nous gagner ouais. Comme mémoire. Ouais. Nous on n'a pas pu sauvegarder cette mémoire-là. Nous pas fait valeur histoire. Nous pas fait valeur histoire, nous. Justement, on a perdu. Mais je veux dire, il est important, ou même qui s'est capitaine de l'émission, ça. Faut toujours garder mon danger. Et ça, c'est très important. Et ça, m'a dit maintenant, là. Et nous, devons mettre ça dans notre tête, nous. Ok? Et c'est un exercice pour nous faire la caille, nous. Et parce que. Pour garder mon danger, Louko, faut qu'on pas quitter tripou, mais non. Justement. Ok, mais c'est pas seulement garder mon danger dans le sens philosophique, non? Le campé de mon blanc, ou ça ici, cap campé de mon blanc, faut garder le danger fixe. Mandez nous faire exercice à nous-mêmes comme haïtien, capitaine d'émission, ça. Devant quel que soit étranger qu'au campé. Et c'est pas étranger seulement. Le campé, on parle avec un monde, faut toujours garder le danger. Faut toujours garder le danger fixe. Parce que, blanc, on dit que, nèg noué, pas jamais qu'à garder, blanc au danger. Faut toujours garder. Faut qu'on toujours garder, moun, on parle à danger fixe. Et laissez blanc lié, faut garder le danger, fixer gel, faut garder le danger. Donc faut toujours gagner ça la caillou comme culture, faut cultiver ça chaque jour. Faut toujours garder mon danger. Et je dis, déclaration de notre plan, il n'est pas gratuit, non? Mais si j'entends le balex tout à l'heure, Haïti t'es voté contre Donald Trump, oui, dans le Congrès dernièrement, et dans les Nations Unies dernièrement. Nous t'es préféré camper contre Venezuela pour faire gaz, pour faire pétrocaribé. Parce que États-Unis t'a demandé, ok, pour qu'on vote qui fait Nations Unies, pour yon expulser, pour yon retirer Venezuela. Et mais Haïti t'a voté pour Venezuela. Et mais vote, ça a des conséquences, lui. Je dis à Donald Trump qui fait déclaration, ça. C'est pas mauvais, c'est pas une déclaration. Comme il dit, comme si, comme ça, non. Il est très politique. C'est pas sans raison que Donald Trump, il cible les pays africains, yo, avec Haïti. C'est pas sans raison. Parce que combat, il a qu'à faire contre les nègres. Contre l'Afrique, contre Haïti. C'est ça qu'a fait, là, je veux dire. Maintenant, je veux dire, bon, c'est que, faut qu'on réponse. Est-ce que qu'on y a, hein, gouvernement d'Haïti, hein, pas de capacité, est-ce que Jovenel Moïse, pas de capacité pour aller au-delà d'une note de presse, parce que qu'on note de presse, on mettait dehors, là, que m'a dit pour nous. Est-ce que qu'on y a Jovenel Moïse, pas de capacité pour aller au-delà d'une note de presse,
OK, pour capable je dis un bail une réponse à Donald Trump à États-Unis d'Amérique. Moi dis nous, si tu es un pays, si tu es un président, je dis un chargé d'affaires qu'il a, OK, il t'a déclaré le personnel de Nkrata. Et puis après ça, États-Unis a dégagé, vous nous commencez à discuter. Et je dis en tout, si Haïti t'es en bagaille, si Haïti t'es en pays, comme pas des amis taille avec l'autre pays, chaque pays c'est intérêt qui a sauvegardé, pas de problème. Mais nous avons également des choses à offrir. Haïti a une bagaille pour le bail. Et nous avons pile bagaille pour le bail. Maintenant, sous base de bagaille que nous avons pour le bail, sous base de ça nous avons mettre sous table là, eh bien, nous avons regardé réaction pays, soi-disant amis d'Haïti. Parce que là, c'est dans la politique liée. Et comme Jean-Pierre Martin dit tout à l'heure, c'est un chef d'État d'un État, ok, qui crachait sur un autre État, qui c'est Haïti. Comment tu la donnes? Donc la réponse doit être une réponse d'État. Mais, mesdames, messieurs, faut que nous d'accord tout quelque part, nous avons un problème. Et je dis à mes amis que... Faut que nous tenions président, Loukou. Nous n'avons pas un problème. Cette femme dit, son réponse d'État. Oui. Son réponse d'État, ok, à un État. Parce que, écoutez, okay. nous avons une nouvelle responsabilité. C'est au président nous rappelle élu dans l'élection. Gon président parle contre nous. C'était l'Arabie Saoudite, c'était bagaille l'autre bon. Mais c'est les États-Unis. Maintenant, combien de pays noirs qui dans Amérique là? Combien de pays noirs qui dans Amérique là? Combien de pays noirs qui ont souffri, qui ont des problèmes économiques lorsque le président Trump parle à l'autre pays d'Afrique yo. Regardez dans qui zone yo, mais yo dit l'Amérique appartient aux Américains. Combien de pays noirs qui dans Amérique là? Eh bien, c'est pour nous garder. Là, pas les forces là, non, pas les forces là. On va être clair. Parce que si États-Unis dit comme ça, à l'Amérique, c'est eux-mêmes. Et ils parlent comme ça en face, en Haïti. Combien de pays noirs? Donc, premier pays noir, premier chef d'État, pays noir, qui doit bailler un poste, c'est Haïti. C'est Haïti. Donc, nous parlons tant pour nous, qui ça qui, par réaction, en fait, président de la République là. Mais, faut que nous d'accord, tous, nous-mêmes haïtiens. Nous avons des problèmes sérieux. Je dis, on était 12 janvier 2018. De 2010 à 2018, ça fait 8 ans. Nous toujours gagnons en battant, 37 000 mounes en battant jusqu'à présent. Plusieurs milliards de dollars passés sous le dos Haïti. Haïti pas même qu'à demander compte. Haïti pas même qu'à demander compte. Les Clinton gagotaient l'argent des tremblements de terre Haïti. Haïti pas même qu'à demander compte. Là encore, en fait, je félicite mon ami, frère, et maître Newton Saint-Just, qui t'a osé à porter plainte, même jusqu'à Nations Unies, contre les Clinton. Haïti pas même qu'à demander compte sous l'argent qui t'a ramassé sous dol, pour lui, qui gagoté par les Américains. Ou pas même qu'à capacité pour demander compte. Voir où je dois avoir une réponse d'État à Donald Trump. Je dis à nous en 2018, 12 janvier 2018, nous prenons deuxième tremblement de terre, nous mettons un conseil parce que son tremblement de terre lié. Qui ça n'a fait que ça nous a fait? Gardez l'État en pays, gardez Fatra en pays. Nous sommes avec Fatra à terre, physiquement, avec Fatra à tout côté. Mais je dis à Gédé, nous avons réfléchi dans le pays d'Haïti, sous le pays. Vous ne pensez pas Fatra qui est dans l'esprit, oui? Le débat sur l'armée, moi, je vais de côté, puis maintenant, tout, moi, j'ai des jeunes. Cap que Haïti pas besoin l'armée. Mais écoutez, jeune ça c'est fatra dans l'esprit yo. Pas qu'on est indépendant. Et puis moi-même je dis, on va dire que état indépendant pas besoin l'armée. Et bien c'est fatra dans l'esprit yo. Loco, pas aucune logique dans ça. Ouais, depuis matin m'a pensé à un écrivain, un homme d'histoire en Haïti, Franck Etienne. M'a réfléchi on écrivain on n'est qu'un coup Franck Etienne. L'époque où mourit l'état d'un président États-Unis répéter ça n'a qui comment lié hein? Comment lié parce que ouais gon série de nèg qui font série des coups de plume en Haïti qui fait vie au cap défendre pays ça monsieur nèg beaucoup mourir comment on senti yo mais c'est des bagages qui grave hein? Haïti pas besoin intellectuel. OK gon série de intellectuel mon frère qui fait vie au cap Haïti pas besoin Haïti pas besoin intellectuel même Michel Martelly se prouver là comme candidat à la présidence. Mais non, il était un intellectuel. Bon ah, côté. Mon frère, c'est pas un intellectuel qui est candidat. Haïti pas besoin d'intellectuel. Et M. Martelly se désapprouve tout là. Et en partie, ces intellectuels-là sont responsables de l'état que nous avons aujourd'hui. D'accord.
élite intellectuelle pays. Nous cassons ça, oui. Élite intellectuelle. C'est-à-dire que nous avons pays qui est tête en bas. Et c'est changer pays, changer nos mains, nous, par le bas. Ou pas capable de dire à un pays. Écoutez, messieurs, dames. Nous d'accord ici, n'importe qui n'est qu'à venir président. Parce que pas un système politique vraiment. Côté que n'est qu'à faire une carrière, qu'à faire un cheminement. Il sortit de Kazakh, même avec Nicolas Sarkozy, qui entre dans le parti politique. Il commence comme couleur d'affiche. Il vient magistrat, il vient député. Et puis il vient ministre intérieur. Et puis il vient président. Pas qu'un ça en Haïti. Parce que le système politique, non, il est inexistant. Ça n'a aucun cas, Pierre Matin Tantout. Pas qu'un pays, je dis là. On est fin président. Ou qu'a utilisé sauve pour président, Pierre Matin. Mm-hmm. Et puis l'offre fin pas président, quoi. Après présidence, non. Ou son ancien président pour continuer de diverser dans le pays. Image ça, mon frère. D'ailleurs, on va le garder. Qui j'ai appris même comme peuple. Bon, mon ancien président sous la terre. Bon, mon ancien président sous la terre. Qui a un comportement ça. Bon, mon. Alors, parce que c'est ça qu'il a utilisé pour le président première fois. Donc, la petite utilisé même bagarre pour le président encore. Et il a voté encore. Bon, qui va arriver sous la terre. On veut un ancien président qui a un comportement ça. Faut que nous d'accord que je dis, un pays ça, son pays qui est tête en bas. Et qui a plongé. Et je que Christophe Alexis a dit tout à l'heure, nous sommes en 2018, un président américain traité de tout caca, après 40 ans, de qui ça? Il n'y a pas le traité encore. Après 30 ans, de qui ça va le traité? Après 20 ans, de qui ça va le traité? Et de ça qu'on parle, madame, monsieur. Moi, c'est que je dis, deuxième tremblement de terre, ça que nous prenons là. On va regarder si nous pas prendre conscience comme haïtien. Conscience comme haïtien. En 2010, 12 janvier 2010, il y a 300 000 personnes qui mourent dans le tremblement de terre. Mais je dis en 2018, il y a 12 millions d'haïtiens qui sont humiliés par cette déclaration de Donald Trump, madame, monsieur. Mais paradoxalement, comment faire que c'est dans le même moment de déclaration de Trump? Ah ben, est-ce que faut regarder. Gon bagay. Justement, écoutez, il passe, c'est bon déclaration, comme si, comme ça, qui fait, c'est un président. Et, il y a des gens qui prennent Donald Trump pour mon fou. Et, dans le même moment, tremblement de terre là, tout, c'est laisse ça, il fait. Donald Trump pas mon fou. C'est pas gay. Donald Trump pas mon fou. S'il te mon fou, il pas d'avoir un président. Il connaît exactement ça, l'a fait. Et, il y a un pays, que l'a géré comme président de la République. C'est doual! Pour l'abjérer pays. Si je dis que les États-Unis n'ont pas besoin de noir, c'est noir qui les États-Unis connaît, qui j'en parle goumé face ça. Est-ce que Donald Trump pas un business en domaine tout? M'a connaît. Ok? Mais je dis à ceux qui vous connaît comme nation, comme État, comme pays, qui comportement qu'on doit gagner? Je dis à ceux qui vous connaît comme citoyen, qui comportement doit gagner? Mes amis, m'a terminé première partie ça pour me dire nous. Dernièrement, m'a sorti go naïve. Tendez bien, m'a sorti go naïve. Moi, non, machine, me camper mon oui. Pour m'acheter manger. Là, m'y vais mon oui. Bon bus qui sorti go naïve. Tout le monde camper pour acheter manger tout mon oui. Pierre Martin à tout. Bus là déplacé avant. Mes amis, tendez, oui. Bus là déplacé avant. Machine, moi, envie de déplacer après. Et puis, sous tout la Pierre Martin, bus là devant. Mes amis, madame, messieurs. Où est-ce que vous avez histoire ça fait matin? À 7 cartons qui viennent joindre moi. Chaque 5 minutes, gon lot d'à 7 cartons qui sont dans le bus là. Moun yo fin manger et puis y a plagué le sous là. Mais où et puis qui viennent joindre moi même qui derrière. Alors que dans la ville Gonaïve, pas go que machine qui a fait ça. Ok? Dans la ville Gonaïve, l'offre finit acheter manger bigot ou pas qu'à la gasse dans la ville Gonaïve. Ça dépend de qui bon Gonaïve là. Parce que non, on parle dans la ville Gonaïve. Gonaïve sale même avec tout côté, oui. La ville Gonaïve. Gonaïve, ça nous a alors, même si c'est nord-ouest, même, regarde ça. L'on a bis, ou fin acheter manger bigot, ou pas qu'à la guerre assiette là, dans la ville Gonaïve. Oui, ok. Mais maintenant, comportement ça, yo. Mes amis, ça fait me dire que question fatra. Là, au-delà d'un président de la République, là, au-delà de job, yon directeur SMCRS, là, au-delà de job, yon magistrat. Question fatra, il concerne nous tous, son défi de tout haïtien pour 2018 là. Il m'a parlé de Fatra, mais qu'on y a un président qui traite de Tchoukaka, un président qui douce Fatra. Alors, il m'a parlé de ça, madame, monsieur, dans ce matin débat. Il y a un bagay et président Tolbert se trilate, et n'a pas dit pour Mounio encore, avant de finir le coup, pays qui pi
bénéficier de déclaration de Donald Trump et Saint-Domingue. Mais ouais, c'est Saint-Domingue qui a fait ville, la fait ville, l'observe avec déclaration ça. C'est yo capri tout et ou quoi déclaration. Son déclaration qui parle rester sous dos haïtien comme étiquette tout côté, oui. Tout côté, parce que complot qui fait sous pays d'Haïti, hein, c'est pas un complot qui l'a jodi, hein, et c'est pas un complot qui a fini demain matin non plus. Maintenant, qui ça nous a fait comme haïtien, à partir de déclaration ça pour nous prendre conscience, pour nous dire non, ok, ça doit s'arrêter là. Et moi, c'est que l'extrêmement important. Maintenant, on attend, qui ça qui parle décision gouvernement, réponse d'État que ça méritait by à États-Unis, à gouvernement américain, qui ça réponse ça cahier.